Aujourd'hui, je vous montre comment changer de map dans Ark. Salut tout le monde, ici StarabubPuma47 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer de map parce que un de mes abonnés me l'a demandé. Et c'est vrai que quand même, je vous ai jamais montré, mais je le mentionne très souvent dans mes vidéos. Bref, dans ma dernière vidéo, j'ai voulu vous montrer comment transférer des animaux, mais vous ne saviez peut-être pas comment changer de map. Donc, exemple que vous êtes sur cette map-ci et que vous voulez aller dans une autre map. En passant, il n'y aura rien de cette map dans l'autre. C'est carrément une nouvelle map, de nouveaux animaux. Ouais. Là, on va juste faire se déconnecter. Maintenant, vous allez dans le menu comme d'habitude, mais à la place de prendre votre map de d'habitude, vous allez en sélectionner une autre. Donc, moi, j'en ai quand même plusieurs de commencer, mais que je ne joue pratiquement pas. Ensuite, vous allez pouvoir faire lancer la partie solo comme vous faites à l'habitude ou un serveur, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Mais le problème, c'est que, par exemple, Aberration, ça veut me dire il n'a pas encore été installé. Donc moi, étant donné que je suis sur Xbox et que j'ai le Game Pass, je peux la télécharger gratuitement. Mais par contre, sur toutes les autres consoles ou les personnes qui ont Xbox mais qui n'ont pas... qui ont acheté le jeu et qui ne l'ont pas vraiment reçu par Game Pass vont devoir le payer. Donc c'est quand même un peu plate parce que quand même plusieurs de ces maps sont très divertissantes, je les ai déjà essayées. Et Genesis, même pour ceux qui ont Xbox Game Pass, vous allez devoir le payer. Donc moi je l'ai payé. En tout cas, j'espère que je vous ai bien informé et que maintenant vous savez comment changer de map. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Petit message pour mes abonnés, désolé si je fais rarement des vidéos ces temps-ci, c'est quand même un peu compliqué pour moi. J'ai beaucoup de choses à faire et bon, franchement, c'est pas par choix que je n'en fais pas, c'est par manque de temps. Donc en tout cas, désolé si j'en fais un peu moins souvent, mais bon, pour cette vidéo, c'est fini. Donc, ciao!